petite princesse? Eh bien, je vois que l'heure de l'histoire a sonné. Je vais vous raconter l'histoire d'un mariage. Oh oui, oui, Père Castor. Soyez la pomme de l'ombre. Berk le crapaud. Ah, mais où est passé ce nœud papillon? Hé, Yolette, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas possible. Peut-être là-dessous. Ah, il faut dire qu'il fait sombre ici, hein? Déjà 10 heures. Je vais finir par être en retard. Parfait. Tiens, voici des sans-ailes. C'est Adrien et son père. Ils vont aux champignons. Tiens, c'est dimanche. Voici Berk qui passe. Il va rendre visite à cette pimbèche de gris-gris. Comme chaque dimanche, il va la demander en mariage. Et comme chaque dimanche, Gris-Gris va refuser et Berk rentrera seul dans son vieux saule. Malgré cela, Berk ne se décourage pas. Et Berk, fais attention, il y a des sans-ailes dans le secteur. Tu veux dire des sans-palmes? Il ne s'intéresse pas aux crapauds. Merci tout de même. Bonne chance, Berk. Papa, regarde le beau crapaud. Je peux le prendre? Il restera dans ma chambre. C'est non. Le crapaud est un animal couvert de pustules, de globules, de rotules, de capsules. Et en plus, il transmet le virus de la sinusite de Tombouctou.